super. Ah! Allez, je lance l'enregistrement. Je le ferai quand j'aurai lancé ma clim. Changer l'heure, ça se fait pas automatiquement chez toi ça? Bah, pas la pendule qu'on a accrochée au mur. Ah, bah ouais. Bah, je peux pas, bébé. Tu veux vraiment que je te le monte gold de ton compte? C'est pas bien. D'ailleurs, je viens de dénoncer du Hello Boosting. J'ai été contacté par Stixer100. Fait de la pub pour du Hello Boosting. Ouais, c'est ça, ouais, il y en a plein en ce moment là. Bah, fin de saison, hein. Microphone muted. Quel intérêt de se faire Hello Boost en fin de saison? Bah, tu chopes ton petit cadre. Ouais. Payer pour ça, je trouve ça. Enfin, tu me diras, c'est pas pire que payer pour avoir les skins. Non, parce que c'est pas ton niveau réel. T'es payé pour le swag. C'est ça. Donc maintenant, on a des fraises. Oh, mais ouais, c'est fin de saison, hein. Les mecs ils vont rusher à fond les... Ouais, c'est, bah. Ça m'étonne pas, hein. En fait, c'est là maintenant que tu as plus de chances de tomber contre des smurfs, là. C'est à cette époque-là. Ah bon? Ah ouais, dans toutes les ligues, dans toutes les divisions, c'est là que t'as le moment. Enfin, tu peux tomber sur du smurf, quoi. Et j'ai trouvé un guide à Kali. Fais gaffe. Non, mais je te l'ai déjà dit. Je l'avais pas lu en entier. Mais il est juste génial. Alors, on va dépoussiérer en même temps, hein. C'est bien parce que je joue contre des plates. Microphone muted. Microphone alors activated. Que tu es gold 3. 3. Et ben t'as fait une bonne série, c'est ça? En général, de toute façon, je. Toujours la botlane qui veut pas venir en team builder. Support. Hein? Support. Quoi support? Ben c'est le problème des net support. Bah ni ADC ni support, on attend les deux de la botlane. Ah voilà l'ADC. Et il est reparti. Jonas, il est parti du resto, il vient de faire un message Facebook.
Et un peu bilan. Tranquille. Là, faudra les baronner vite fait. Idéalement. Ou faire le drake, enfin faire quelque chose quoi. Ça va le faire. C'est ouf.
Ouais, se faire enfoncer, fait chier. Allez, continuez à chase sans visu. Ouais, grande idée. Non, non, mais non. Non, non, tu vas pas. Non, mais non, mais putain, mais back. Je n'ai pas détruit une tourelle.
Bon, comment ça se passe tout le monde? Bah moi ça vient de lancer, donc... Ça se passe mal. Moi ça se passe super bien. Ah, merde. Ça se passe mal parce que ça chase comme des cons, ça suit des trappes mais juste obvious. Ah ouais, merde. Et puis bah tant mieux pour Anthony, merde pour les mecs. Enfin... Tant pis. Ça se fait trappe à tout va. On va se faire... On va paumer le... encore l'inhib. Le mec il chase une Janna, on perd deux tourelles, un inhib et ça le dérange pas. Oh putain. Tranquille. Ah bah dis donc. Non mais on a perdu là, je pense qu'on se relèvera pas. Non, on se relèvera pas. C'est perdu. Ah, dommage. Non. Quoi? Non, c'est normal. Non, bah désolé pour la merde que j'ai fait, mais là, là j'arrête parce que j'arrivais plus du tout, mais du tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit loulou? Juste... Il a perdu ses moyens. Oh, je craque, et puis il y a trop de choses qui m'ont foutu les boules, là, vraiment. Ouais, faut savoir se relever dans la game, hein. T'inquiète, hein. Ouais, mais quand ça fait 3 games que t'y vas, il y a un moment, ça saoule. Enfin, vous pouvez me reporter, hein, de toute façon, pour les la merde que j'ai fait, ça se mérite. Mais le début de phase de lane où on est perma 3 versus... Enfin, 2 versus 3, personne qui vient aider... Et après t'essayes de remonter au creep, le mec il passe, il taxe tous les creeps, t'envoies tout sur un gars pour le tuer, vraiment pour essayer de te filer un petit peu, le mec il passe, il met le last hit, enfin bref, que voilà. Bon bah après il y a moi aussi qui est trop fatigué je pense. Enfin. Bah celle-là m'a juste gonflé quoi. Je suis peut-être mauvais perdant aussi. On mais était là, à un moment à 10k d'avantage au gold. 10k d'avantage. 10k d'avantage au gold. Oh, et on n'a pas été foutu de gagner la guerre. Ah quand même. D'accord. Super la team. Parce que ça cherchait le kill. Super la team. On est monté à 10k d'avantage au gold. Quand même. On n'a pas été foutu de gagner la game. D'accord, je vois. Parce que ça cherchait kill. Bah écoute, désolé si cette partie est à foutu les boules, je comprends parfaitement. Et désolé si j'en suis en partie responsable. Il y a pas que toi. Il y a pas que toi. C'est un jeu à 5, hein, c'est pas un jeu à solo. À partir d'un certain moment, quand on a fini les phases de lane et quand même en team fight, voilà, j'étais encore au fond, puis que les mecs ils faisaient tout pour que j'y reste. J'avoue qu'il y a un moment, j'ai joué en n'en ayant plus rien à foutre. Voilà. Je crève, je m'en bats les couilles. Je fais des conneries, je m'en bats les couilles. Alors quand j'en arrive à ce stade-là, effectivement, vaut mieux arrêter de jouer, là, ça c'est clair. Non mais ça se comprend que par contre, si les mecs, voilà, t'as des carries, s'ils te prennent les kills, bon bah c'est de la merde. Je sais pas, j'ai peut-être tort, faut peut-être relativiser ce que j'ai dit, parce que je suis en plein craquage, là, mais... Le Udyr en perma 3 contre 2 en face de lane, voilà. Qui vient pas gank qu'une seule fois, puis qui après il me voit que je balance tout sur un mec, le mec il est low life, je vais le tuer, il arrive, pas, il le finit, the fuck. Bah le Udyr il s'est pris pour Superman. C'est précis pour Superman et prendre tous les. Son but c'est d'être prendre tous les kills. J'ai fait de la merde, c'est clair. Mais il y a un moment quand t'es au 36ème dessous, que tu fais tout pour remonter, puis que derrière t'as tous les mecs qui te pourrissent comme ça, tu passes à côté des creeps, tu vois le mec au lieu de te les laisser parce que. Julien. Ouais, excuse-moi. Quoi? T'as pas dormi? T'es. Non, c'est pas là, de la fatigue complet.
Ne serait-ce que sur ta façon de parler, c'est... Oh, needed, là, je viens. Là, t'as vraiment... Non, c'est le jeu qui m'a foutu des boules. Je suis pas fatigué de le battre. Tu t'entends pas. Ouais. Je t'assure, il y a des moments où faudrait que je t'enregistre. Et là, juste en train de craquer pour une game qui s'est mal passée. Une game normale en plus. Hein. Ouais, mais c'est prenant quoi. Tu te mets dans le jeu et puis. Bah, c'est normal. Une fois que tu fais de la ranked, les normales tu les perds, tu t'en branles. Il faut aussi que tu relativises sur un truc. C'est. C'est pas grave. C'est une game perdue et honnêtement, c'est pas juste ce que t'as fait toi. T'as fait des erreurs au départ parce que bah, c'est comme avec Z, c'est des situations que tu connais pas et que t'as du mal à affronter. Oh oui, non mais j'ai fait clairement de la merde sur cette game, hein. Je vais pas dire le contraire. Mais après, vu que t'étais au fond du trou, bah qu'est-ce que t'as fait? T'es parti, voilà, t'as tilté. C'est ce que je te disais avec le mental. Ouais. Ouais, clairement. T'as tilté tout seul. Et t'as tilté assez vite, hein, c'était... Il y a un moment, t'as commencé à vouloir faire la peau à Ezreal, c'était fini. Alors certes, Ezreal était très chiant et c'était lui qui t'avait tué au départ, mais ils étaient 3 en lane. Ouais. 3 en lane, ça veut dire 3 fois moins d'XP. Patience. Et merde de sûreté. On peut prendre une glace en dessert. Oui. Enfin oui. Bref. Oui, Dada, chute. Ce que vous voulez, vous avez 3 quarts d'heure. Enfin. Faut pas que tu te laisses bouffer par une game quoi. Et honnêtement, enfin c'est ce que je dis, hein. Mine de rien, on avait l'avantage. Hein. 10k gold d'avance. Ça c'est pas toi hein, qui a fait qu'on a perdu parce qu'on avait 10k gold d'avance. Ah bah de toute façon moi je rapportais plus rien à chaque fois que je mourais vu que je suis mort tellement en série que... On avait 10k gold d'avance, on avait qu'un truc à faire, c'était pousser. Hein? Faire 2-3 kills et pousser. Ah bah non, demande à Jonathan là, je peux pas. Les mecs ils chasaient comme des cons. C'est faux. À partir de là... Non mais bah, je te dis, à partir du moment où... Le Udyr qui m'a fait 2-3 plans comme ça, j'ai coupé mon micro et j'ai joué en n'en ayant plus rien à foutre. Le Udyr, le Jace, tout ce qu'il cherchait à faire c'était faire du kill. Partir de là, ça peut pas marcher. C'est clair. Mais c'est pas juste toi. C'est globalement, là la game on l'a perdu, on aurait pas dû. C'est juste moche. Mais c'est clair, j'ai carrément craqué. Mais ça m'a trop foutu les boules. Là, à la fin, ça devenait la corvée, quoi. Je suis pas mis à FK parce que bon, ça se fait pas, mais... J'en crevais d'envie. Enfin, bref. Bon. Après, je te dis, t'as un problème de dégâts. Hein. Parce que au début, Ez, je sais pas ce qu'il avait, le Ez d'en face, mais il te faisait vachement plus mal que ce que tu lui faisais, toi. C'est les runes, ça. Bah ouais. Bah écoute, ma page de runes. C'est quoi? Je t'ai dit, plus 12 de résist magique, plus 9 d'armure, plus 15 de dégâts physiques. Non, bah c'est le classique, quoi. C'est ou les runes ou les maîtrises. Mais t'as un problème de damage en early. T'as quoi comme maîtrise? Peut-être aussi le stuff parce que je commence trop tôt, peut-être par l'alarme de la DS. C'est le premier truc que j'achète. Donc ça me bouffe les 700 non, premiers. Non, c'est bon. Et je t'ai dit autrement, en maîtrise, je suis à 21-9. 21 en attaque, 9 en défense. Ouais, mais où les 21? Alors les 21, je vais te dire, épée à double tranchant, fureur, force brute,
maîtrise martiale, maître de guerre, coup dévastateur, chaos, alors... frénésie et. Avec Ezreal, spell waving, blade waving, indispensable. Alors c'est à dire parce qu'en français. À côté de. Maîtrise martiale. Alors. Et... Maîtrise des arcanes, c'est ça? Ou lien magique? Ça doit être lien magique. La première colonne. Ouais. Lien magique et celui d'en dessous. Et celui d'en dessous, d'accord. Et lien physique. Ouais. D'accord. Donc je vire de la défense pour mettre un petit peu plus ça. Ça, c'est juste indispensable. En défense, t'as mis quoi? En défense, j'avais blocage, récupération, cicatrice de vétéran, j'avais indomptable et. C'est tout monstrueux peut-être. Alors. Récupération, tu mets le minimum en blocage pour passer au rang d'au-dessus, mais tu mets pas tout. Par contre, il te faut l'armure enchantée. Attends, je vais réinitialiser et puis on va reprendre tout depuis le début. Ouais, d'ailleurs, en fait, plutôt ça va être plus simple. Récupération, armure enchantée. Alors, récupération, armure enchantée. Au niveau 1, niveau 2 ? Niveau 2, les deux. Et ensuite, en attaque, je prends quoi, du coup ? Ah, en attaque ? Fureur. Pas petit là, je pense. Force brute. Fureur. Force brute. Ouais. Maîtrise martiale. Je peux pas. Ah, tu mets un point en boucher. Ouais, maîtrise martiale, ok. Donc lien magique, lien physique, tu m'avais dit. Bourreau, non ? Bourreau, oui. Maître de guerre, je pense. Ouais, par contre, oublie pas lien physique, lien magique. Ouais, c'est fait. Coup dévastateur. Ouais. KO. Alors, là, il me reste 5 points encore. J'ai 21 en attaque, 4 en défense. En défense, tu as ces deux-là, donc t'as la ligne du dessous. Récupération et armure enchantée, j'ai uniquement. Ouais. Donc je peux prendre cicatrice de vétéran. Plus 12 PV. Prends Fist aussi. Festin. En offense. Ok. Il me reste 4 points. Alors, tu vas mettre 2 points en bloc, 1 point en truc d'en dessous, blocage. 2 points en blocage, 1 point dans le truc d'en dessous. 2 points, ok. 1 point dans le table, ok. Et 1 point en oppression. Sauf que il est pas débloqué. Faut 8 points dans défense. Faut 8 points dans défense. J'en ai que 7. Ok. Il me reste cicatrice de vétéran que je peux éventuellement prendre. Il me reste un point de dispo là. En offense, la deuxième ligne, le premier carré. Première colonne. Faiblesse exposée ? Ouais. Voilà. Bah ça y est. J'ai 23-7.
plus comme ça. Autrement, quelque chose à modifier sur les runes? Pour les runes, bah t'es standard, mais... Il y a ouais, peut-être la... la résiste. Voilà, gold 2. Hein. Good. Deux fois je prends Riven, deux fois je mets un stomp. Ouais.